10. Aïe, aïe, aïe. Ça charge. Oh putain, ça a démarré là. Ah, les boules, c'est encore en train de charger. Ah merde. Ça s'est joué un peu. Bon, ça charge encore. Bon, bah, c'est Ouais, bon. on est parti là depuis 400 mètres. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec leur serveur à 16 h-là. Ouais. Mais c'est le serveur de qui, du coup, le RGT? De RGT, ouais, Ouais. je pense. Hein. Bizarre que ça fasse presque qu'à cet événement. Bah ouais, ça se trouve, il le crée mal, ça se trouve, le Antoine Renou, là, l'événement, je sais pas. Ouais, peut-être, hein. C'est con, hein. Les 2 premières semaines, c'était nickel. Bon, moi, tu peux faire l'événement d'après à 19 h. Il n'y a que 5 personnes. Tu peux gagner. Par contre, ça grimpe, hein. Je l'avais fait, je crois, ce parcours-là. Il y a des sacrées Ah montées. ouais. Ouais, ça charge toujours là. Ouais, faut... là là. C'est con, ils avaient bien organisé ça à la base. Mais bon. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, ça attaque devant. Déjà quelques lâchés, ça carbure. Donc, arrête pas d'attaquer. Et du coup, vous avez pu vous retrouver samedi avec d'autres de l'équipe? On n'était pas beaucoup, on était 4-5 et en fait on avait tellement froid. Il y en a qui sont partis rouler loin. On a roulé à 2-3 sur mon champ seulement. Ouais. Avec le confinement, il y avait moins de personnes que prévu. Ouais, c'est sûr, c'est mal tombé. On est échappé à 4 là. Ça va pas durer, mais c'est sympa.
train de servir. Dommage. Ouais, c'est mal tombé avec le confinement, c'est clair. J'espère qu'on pourra faire un truc sympa dans 3-4 semaines. Je crois que je vais faire une récup, moi, du coup. Je sais pas, ça sert à rien, moi. Je vais voir si je peux rejoindre quand même le contre-la-montre après. Il y a une montée là de Je pense, 5 km. ouais. Tu seras plus frais que certains. Ouais. Il nous reste 10 bornes là, on en fait un tiers. Ça va vite. Bon, je suis le premier à avoir rejoint le chrono d'après. Au moins, je suis sûr d'être présent. Yes, ça c'est bon. Un bon contrôlement, un bon test FTP là.
Ah, il y a l'arche jaune, c'est à mi-parcours en fait. Je me demandais ce que c'était. Moi, je sais pas. Bon, à chaque course, c'est une arche jaune et ça correspond à peu près à mi-parcours. Et là aussi, à mon avis, c'est ça. Allez, deuxième micro grimpette. Ah, il y a Alexis Louge aussi, dis donc. Sa ligne de départ. Ah, il a pas réussi à rejoindre aussi, je pense. Pourtant, il a un bon entraîneur. Hein. Ah, les fautes d'inattention, on ne pardonne pas. Oh. Ouais, faut tout le temps regarder quoi. Et Dame Villiers, tu l'as vu dans la course? Ouais, il est là. Et Mathieu aussi. Oh, j'ai les boules. Pas mal de French Pigeon aussi. Il y a JB Messon, Mathieu Daudet. C'est cool, j'étais troisième au classement général et là du coup bah, je vais être déclassé. Ah merde. Ah, je savais pas que tu faisais un général. Ouais, si, sur le classement des deux premières étapes, j'étais troisième et Thomas Boulanger, il était cinquième, je crois. Ah zut. Je le vois pas, Thomas. C'est pour ça qu'il est pour vendre. Et Mathieu avait pas participé à la deuxième étape, ce qui fait qu'il n'était pas dans, il n'était pas classé. Et en premier, c'était Ok. Dame Villiers. Je crois qu'il y avait Colisson aussi en deuxième. Jérôme Elle est là, Colisson. Colisson, allez.
Ah, mais je viens de voir, t'es sur Twitch là, non? Ouais, je stream là. Ah, bah oui, bah, je vais te regarder alors, plutôt que de rien foutre. Suis normal par contre. Encore l'habitude du draft. Bon, c'est bon, je te vois. Ah, yes. Ah, t'as fait ça bien sur le côté droit, là. Peut-être il est chaud. Allez, allez, plus qu'un kilomètre. Oh, l'attaque de Jean-Baptiste.
Allez, allez. Ah, oh, énorme. Oh putain, toi. Caché. Ah. Oh. Bon, je suis mort pour la journée. Ah, t'as bien géré là, ouais, vraiment bien. Ah. Putain, JB. À une demi-seconde, je le battais. Ah, bravo. Belle attaque de loin. Ah. Et sur Swift, ce qu'il a fait, ça serait jamais passé, je pense. Ah, oh, c'est sûr, il attaquait trop loin. Mais même là, c'était limite, hein. Ah, oh, super la course. Je pensais être parti trop tôt, mais j'ai bien tenu jusqu'au bout. Il manquait deux gros coups de pédale et ça passait, je pense. Alors, 20 minutes. 280 watts de moyenne. Ah bah c'est pas mal. Pas loin de mes records. 163 le cœur, ça c'est très bien. Pas trop fort. Et 98 d'intensité, ouais. Top. Eh bien. À ton tour maintenant. Ouais bah logiquement je devrais être un peu plus frais que les autres. Ouais, je vais pas y aller moi. Parce que je suis cramé. Je viens de faire 20 minutes à bloc. Ça va être dur. Oh, j'hésite encore en fait. C'est à 15 le départ, c'est ça? Dans 17 minutes. Non, je suis même à 25, je crois. Ah. Voilà, direct, t'as plein de monde qui rejoint là. Tu m'étonnes. Ah ouais, à 25. Oh là là, 538 mètres de montée. Sur 5 bornes. Oh allez, je rejoins. Je suis faible. En gros, c'est un test FTP, quoi. Bah je sais pas combien de temps ça va durer. Là. Bah 5 bornes, 500 mètres, 530 mètres, c'est la moitié de l'Alpe, du Zwift. Du coup, ouais c'est ça, ça va durer un peu plus de 20 minutes, ouais, je pense. C'est un test, ouais, t'as raison. En tout cas, t'as bien géré sur Twitch là, la présentation. Là. C'est ouais, elle est belle, hein, t'as vu? C'est Romain Seco, il m'a refait un fond d'écran en bleu comme ça. Bleu clair, je trouve que c'est plus joli. Ouais. Et j'ai fait des jaloux d'ailleurs avec la tenue du côté de chez moi. Oh, mais on est sorti en tenue là. Pas. Elle est belle, hein, je trouve. Elle rend super bien en vrai. Ouais. Et puis pour le prix, franchement, c'est de la super cam. Hein. Ouais. J'ai été surpris, mais tu sais, les maillots de vélo maintenant, ils sont hyper moulants, quoi. Et ouais. Ma tenue de club aussi, je l'ai eu cette année, là. Et j'avais été surpris aussi, quoi. Ça moule vachement maintenant. Je pense que c'est pour que ce soit bien aéro. Ouais. Mais ça joue, hein. J'ai fait des coms grâce à ça, je pense, une ou deux fois. Hein. Ah ouais. Plutôt qu'avoir un t-shirt ou un truc un peu ample qui prend le vent. Ouais. Oh mince, les watts. Ah si, c'est bon.
Ouais, j'ai fait deux courses RGT cette semaine là, début de semaine. Et en fait, c'est pas plus simple que Zwift, hein, parce que les bosses, c'était vraiment un bloc. Et en puissance normalisée, je pense que je suis plus haut que les courses Zwift. Par contre, tu peux Ouais, récupérer sur le plat, ça c'est cool. c'est plus du fractionné ouais, que Swift. Ouais, carrément. Ah bon, en tout cas c'est bien, ça permet de récupérer là. 13 minutes. Presque un peu trop. Ouais. Oh putain, nouvelle FTP sur. Ah non, c'est pas moi, c'est qui ça? Ah, c'est Julien Guillon, il a encore amélioré sa FTP. Il s'arrête pas. Mince, je m'attendais à une nouvelle FTP, je suis déçu. Alors, 303 watts de normalisé. Eh ben, quand même. Oh bah j'ai quasiment atteint ma FC Max encore. Ah, t'as combien de courses en ce moment par semaine? Un peu trop. En fait, je veux faire plein de tests un peu partout. Et du coup, j'arrête pas. Mais je bois beaucoup plus d'eau que d'habitude. Du coup, je récupère beaucoup mieux. Je pense que je buvais pas Ça assez joue d'eau. vachement, ouais. Ouais, c'est énorme. Hein, parce que bah, j'ai fait les 3 derniers jours, je pense que j'ai fait des courses. Et quand je fais ça, je suis à au moins 10 pulsations de moins que ma FC Max. Et là, j'ai battu ma FC Max il y a 2 jours. Et là, j'étais du coup 2 pulsations en dessous de mon nouveau record. Donc buvez. Buvez des litres et des litres. 1 litre de bière par jour et 3 litres d'eau par jour, et c'est bon. Tu le connais ce parcours là, la montée? Non, 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 du tout. Je J'allais sais dire que que c'est je en serais bien Guadeloupe. parti un peu en dedans, mais vu le profil en bas, en fait pendant 3 km ça monte sévère. Après il y a un petit replat et on donne tout pour le dernier kilomètre. Ouais, je pense que je vais partir. Bah, comme pour un test FTP, et puis je vais voir après comment ça se passe. Ouais, bah c'est ce qu'il faut faire. Hein. Tu pars à CP20 du coup. Ouais, je vais essayer peut-être le 350 Ah. watts, je vais essayer. Après, vu le parcours, si tu veux faire une bonne place, le mieux c'est de faire fort les 3 premiers kilomètres en test FTP. Après, un tout petit peu en dedans. Et le dernier bloc rouge, bah, bloc. Hein. Limite à PMA et. En fermant les yeux, en serrant les dents. Ouais, sauf qu'il peut, ouais. Mais je pense qu'il faut réussir à pas mal récupérer dans la zone jaune là, à être un peu en dessous de FTP. Ça va nous aider Ouais. et nous donner plein de force pour la fin.
J'ai mon collègue, pareil, il est sur Swift là, et il devait faire la course là. Hey. Manger un petit bout pour avoir des forces. Je fais un slogan marketing. La pompote, c'est votre sauveur, sauveteur pour performer. Sans sucre ajouté en plus. Allez, 20 minutes, c'est pas long. Par contre, j'ai mis mon vrai poids sur RGT, comme sur Zwift, mais je pense pas que tout le monde ait mis son vrai poids. Ça m'étonnerait pas qu'il y en a qui aient mis leur poids de forme dessus. Ouais, bah c'est. Enfin, de toute façon, c'est comme partout ça. Ouais, Et ouais, c'est vrai que sur RGTDB, du coup, ils l'ont pas encore mis ça. C'est-à-dire que tu peux fluctuer de 20 kilos à chaque course, ça. ouais. Personne ne le voit ça. Et j'ai vu qu'ils étaient en lien avec une plateforme de contrôle suivi et tout, non? C'est Mika, je crois, qui m'a dit ça. Ils vont peut-être implémenter ça pour les courses importantes, d'avoir son profil validé comme Zada pour Zwift. Ouais, Ce je suis serait pas pas au mal. courant avec ça. Parce que pour les rails, bon, on s'en fout un peu. Mais pour les rails, ça peut être bien. Bon, en fait, ça fait un peu comme les débuts de Swift, quoi. Il n'y a pas grand monde pour l'instant, mais c'est sûr Ouais. qu'une fois qu'il y aura plein de monde, que ça va être. Bah en fait, quand tu Giga. fais des petites courses, effectivement, c'est bien sympa, je trouve, sur RGT. Par contre, la course d'avant, là, vu qu'on était beaucoup, ça poussait quand même fort, hein. Bon, c'est parce qu'il y a eu quelques attaques, mais sur le plat, j'étais pas en Z2, quoi. J'étais plutôt en Z3, là. Donc, je pense que si tu fais une course à 100 personnes, enfin, typiquement, si tu fais la Racing League, là, comme Zwift Racing League, avec 120 personnes de très bon niveau, bah, ça va pousser à bloc tout le long, quoi. Ça changera pas grand-chose, je pense. Il y avait une course de plat sur Bornéo là il y a quelques semaines et Ouais. justement Mathieu il voulait essayer de s'échapper, on était plusieurs à vouloir s'échapper quoi pour voir un peu ce que ça donnait sur le plat Ouais. et bah ouais, tout était enfin toutes les échappées étaient en échec quoi Ouais. ça revenait toujours. Bah c'est Il hier, y a non, eu un avant-hier, il y moment a, sur où l'Omnium, la première course était 5 km en descente. Et je crois que j'ai fait 300, plus de 320 watts de moyenne, c'est quasiment mon record sur 7 minutes. Même si c'est de la descente, en fait, vu que tout le monde attaque tout le temps, bah, t'es obligé de pousser comme un bœuf tout le temps. Ouais. Après, ce qui est hyper bien, c'est qu'avec un compte pro premium, là, qui n'est pas très cher, tu peux créer des courses privées et du coup, tu peux. Enfin, c'est beaucoup mieux que les meet-up race de Zwift, par exemple. Bah ouais, et puis avec ton propre GPX, enfin, En plus, je trouve ouais. ça vachement cool. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gros avantages quand même. Mais bon, pour les gens un peu comme moi, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt de payer, quoi. Moi qui viens juste pour faire des courses, rejoindre des événements, quoi, j'ai pas d'intérêt à payer, quoi. C'est clair. Mais je pense que ça va finir payant quand même. Oui, une fois que ce sera bien. Mais bon, pour l'instant, en C'est tout cas, ça. il faut profiter, quoi. Ouais. Je pense qu'ils se Du coup, je peux me rémunèrent. Ils sont permettre pas beaucoup, je pense d'avoir. qu'ils sont une vingtaine, mais ils se rémunèrent grâce aux sponsors là. Ouais.
Et du coup, là, j'ai un compte Swift et un compte RGT, quoi. Et je paye Swift et pas RGT. C'est un peu con pour eux. Tu t'es mis à 100% de difficulté? Ah non, et puis là, ouais, faut pas, hein, parce qu'avec 11% de moyenne, là, c'est des fois mourir. Je me Ouais. suis mis à 20, à 25, je crois. Alors, je me suis mis à 60. Mais peut-être me mettre sur le petit plateau du coup, quand même. J'avais fait le Tourmalet et justement j'avais laissé à 100% et il y a eu une rampe à 17. Et ben, j'ai cru que j'allais rester bloqué quoi. Ah ben tu sais quoi, j'ai fait une course aussi, c'était lundi. Il y a un passage, je ne sais pas si tu l'as fait ce parcours-là, où ça descend à 20, moins 25%. Et du coup, mon entraîneur s'est mis à 100 balais. Je me dis, tiens, c'est marrant, moins 25%, mais très court. Après, tu avais la pente à 25% juste à côté. J'étais sur la plaque en 52,15, je pense. Et putain, je suis arrivé avec l'élan au milieu de la montée. Oh, pour finir, je vais être à 12 de cadence. Oh, je me suis fait complètement piéger. Un peu les boules d'organiser une ligue mensuelle avec 2 semaines de problèmes de connexion. Bah ouais. Et puis autant la semaine dernière, c'était simple, il n'y avait personne qui avait pu rejoindre. Donc bah, mais là, bah, par exemple, là, moi, je vais être là à la deuxième course et pas à la première. Et puis il y en a qui vont être là aux deux. Enfin, c'est dommage, quoi. Et ça marche comment du coup? Ça marche en points ou en temps le classement? Tu additionnes les places que tu fais et c'est celui qui a le plus faible résultat à la fin qui gagne. Ok. Et en fait, sur RGTDB, le classement, il est directement dans la série, tu vas dans la série les courses du jeudi, là. Ouais. Et tu descends tout en bas, et là, t'as le classement. Ok. Ouais, je vais regarder ça alors. Mais ouais, du coup, vu le classement que c'est, ça aurait été par points, mais avec beaucoup de points pour les premiers, ils auraient pu enlever une ou deux courses, les moins bonnes. Mais là, si c'est la place, c'est compliqué parce qu'il n'y aura jamais autant de participants chaque semaine. Ouais, et puis la première semaine, là, c'était Paris 3. Et Ouais. enfin, Mathieu, il avait fait énormément de pubs. On était plus de 130, je crois, au départ. Ce qui fait que, bah, en effet, la première course, c'était plus dur d'avoir une bonne place. Ouais, je l'avais fait d'ailleurs avec lui, l'escargot, la montée que vous aviez eue. Je l'ai fait en vrai avec lui. Sauf que je savais pas que c'était là. Et au moment où je m'en suis rendu compte, je lui ai dit, putain, le segment là. Du coup, je suis parti à bloc, mais trop tard. Oh purée, c'est parti pour 20 minutes de bonheur. Ah oui. Eh ben, mon courage Steph, mon courage Baptiste. Allez, à toi aussi. Je pense qu'on va pas beaucoup parler. Bon, déjà, ta soirée sera bonne avec la troisième place. Ouais, c'est clair, c'est bon. Moi, c'est validé pour ce soir. En plus, j'ai fait deuxième ou troisième hier à la FSVT aussi, donc c'est bon. Allez, go!
Allez, les gars.
Allez, Baptiste. Passe sur le podium. Attends. Allez les gars, allez, allez. Allez, Baptiste. Allez, c'est la fin. Hein. Troisième. Yes. Énorme.
400 mètres encore. Allez, allez, Marc, là. Allez, Marcel, totalement bouffe. Allez, allez, derrière ça. Ça pousse derrière. C'est bon. Oh vache. Ah. Zut. Ah, ça pique, hein, putain. Ah, t'as fait une sacrée montée, hein. Ah vache. Ouais, je suis vraiment content. Ouais. 3, 341 en, de moyenne. Oh, t'as même pas fait 20 minutes. Énorme. Énorme. Ah, oh, bah, il y avait Adrien, il a fait 6ème. Petite forme pour Adrien.